Bienvenue avec nous sur plateforme non pour une autre vidéo côté que nous allons partager ensemble avec vous actualité sportive. Pas oublier abonner, activer cloche notification, c'est meilleure façon capable et supporter travail là. Nous allons avec actualité en équipe Real Madrid là, et bien oui capable gagner des départs surtout dans fin mercato et Real Madrid tout capable rentrer l'agent Nokesli. Avec Dani Ceballos qui gagne deux clubs là qui intéressés avec lui, qui c'est AS Monaco et le Real Betis justement dans Liga. Même si milieu de terrain a annoncé que l'in en plan Carlo Ancelotti, mais monsieur risque encore pour ne pas gagner un pilote de jeu pour nouvelle saison 2024-2025 là. Et bien, club sera capable et garantit lui tant de jeu. Gain tout régné, et même qui enchaîné plusieurs prêts dans le dernier temps ça y est, finalement Real Madrid capable et vendre définitif. Gain Nico Paz lui-même qui déjà et finalement permettre avec Real Madrid de gagner 5 millions d'euros dans Kessli, côté qu'il rejoint l'équipe Comer en Italie qui a entraîné par Cesc Fabregas. Et on fait connaître plusieurs autres jeunes joueurs qui sont capables de faire même bagaille en tout, à l'image des attaquants Alvaro Rodriguez, lui-même qui gagne plusieurs clubs dans la Liga qui est intéressé avec lui. Real Madrid livré aussi récupérer 5 millions d'euros pour jouer au football. Des pourcentages qui pourraient le permettre avec Real Madrid aussi capable d'entrer cash d'ici fin mai 4 ans. Effectivement, avec Sergio Arribas qui a été vendu à gagner un an avec Almeria, mais finalement, Almeria lui-même qui descend dans la deuxième division, et bien, club ça qui est relégué, qui gagne une belle côte dans la Liga, n'a parlé de Sergio Arribas. Et bien, Madrileño a dû donc récupérer quelques millions d'euros. Même quatre figures avec Miguel Gutiérrez, latéral gauche Girona, qui gagne plusieurs clubs dans la première ligue qui est intéressé avec lui et qui est capable justement de faire objet d'une grosse vente et avec une partie dans l'argent qui est capable justement de rejoindre caisse Real Madrid. Voilà, c'est des mouvements capables de faire dans la fin mercato. Dans l'autre actualité, c'est désormais officiel, gain international espagnol Mikel Merino, lui-même qui désormais rejoint l'équipe Arsenal. Eh bien, mais comment communiquer en partie? International espagnol Mikel Merino rejoint nous en provenance de la Real Sociedad pour un contrat à long terme. Le terrain de 28 ans, c'était un membre essentiel dans l'équipe Sociedad lorsqu'il était rejoint l'équipe ça en 2018. Il était présent dans le terrain, il fait 242 apparitions, il marque 27 goals, il fait 30 passes décisives. Voilà, donc c'est comme ça Arsenal lui-même lui annoncé nouvelle à travers un communiqué. Pour rappel, jeu football, les poils portés numéro 23 dans l'équipe Arsenal qui a entraîné par Mikel Arteta, qui sont espagnols aussi. Selon la presse espagnole, plus précisément Journal Marca, Cristiano Ronaldo, voulait Zinedine Zidane vient entraîner l'équipe Al Nassr. Selon les médias ibériques, Cristiano Ronaldo, et bien là, lui est justement fait choix de Zinedine Zidane et pour devenir futur entraîneur Al Nassr et directement fait choix ça et lui parler avec direction. Côté qu'il dit, Zidane, c'est un candidat idéal pour venir entraîner Al Nassr. Pour rappel, Zizou, qui était déjà pisté par Arabie Saoudite par le passé, ancienne légende équipe de France, non, il n'a pas jamais répondu favorablement avec approche saoudienne. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo lui-même lui comptait forcément et bien en choix ça et souhaitait passer à la vitesse supérieure pour Zinedine Zidane et bien portugais, hein, il est capable d'appuyer sur Fernando Hierro qui est nouveau directeur sportif club saoudien pour accompagner le non démarche ça. Désormais, ballon lui-même il n'a qu'en direction Al Nassr. Et bien là, et pour qu'on ait surtout. Si Zidane lui-même lui a intéressé aussi dans l'idée ça pour d'arriver dans le projet Al Nassr. Toujours notre transfert qui officiel. Après une saison passée en prêt à l'équipe Barcelona, João Cancelo qui est de retour dans l'équipe Manchester City. Et bien City qui pas compté sur le football là. Et finalement, monsieur lui-même lui désormais rejoindre un nouveau projet. Et bien Cancelo, monsieur Paul évolue en Arabie Saoudite. International portugais de 30 ans, lui signe un contrat de 3 saisons avec l'équipe saoudienne qui c'est Al Hilal, une équipe qui déjà gagné Neymar Junior, Ruben Neves. Et bien Cancelo, qui salaire lui pour le toucher, monsieur Paul toucher un montant de 15 millions d'euros par saison. Et des paliers pour rapporter 30 millions d'euros dans la caisse Manchester City. Voilà, donc oui, pour 30 millions d'euros qui pourraient entrer dans la caisse City.
et après transfert de Joao Cancelo, lui-même qui rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite. Dans l'autre actualité, faut nous dire que l'UEFA qui va récompenser Cristiano Ronaldo pour immense carrière, meilleur buteur histoire Ligue des Champions, 140 goals pour 183 matchs. Ronaldo va recevoir un trophée spécial à l'honneur de performance li était fait dans Ligue des Champions et bien que va remettre li nan mai. Et surtout, c'est voilà avec le président de l'UEFA qui c'est Alexander Zeferin. Trophée ça, qui va le décerner justement pendant que tu gagnes sur Ligue des Champions pour saison 2024-2025. Là, pour le fête, eh bien oui, tu gagnes qui va le fête jeudi, eh bien, dans le forum Grimaldi à Monaco. Cristiano Ronaldo, c'est une étoile qui plus brillante dans la Ligue des Champions. C'est comme ça, président de l'UEFA qui c'est Alexander Zeferin lui-même, il était déclaré. Attaquant de 39 ans, il marque histoire coupe aux grandes oreilles. Pour rappel, il remporte trophée ça à 5 reprises, une fois avec Manchester United en 2008, Premier League des Champions, 4 avec Real Madrid 2014, 2016, 2017, 2018, Portugal également, multiplié plusieurs records personnels, mais habité sur une seule édition et côté qu'il a marqué 17 goals saison 2013-2014. Ronaldo nous connaît qui passait en Europe et bien qui joue dans Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid et Juventus de Turin, Kounia qui a poté couler Al Nassr en Arabie Saoudite. Toujours avec Cristiano Ronaldo, et bien grâce avec un goal sous coup franc à la 45e minute de jeu, monsieur lui-même lui fêté 899 réalisations li dans toute carrière li. Voilà donc c'est des records pour Cristiano Ronaldo. Et puis, il y a Djordje Mamardashvili, 23 ans, particulièrement qui était impressionné pour première participation pays Géorgie dans et Coupe d'Europe là, pour rappel, il a éliminé la 8e de finale. Et bien là, qui c'est en référence dans la Liga avec Valence. Et bien finalement, monsieur lui-même qui rejoint officiellement l'équipe Liverpool là. Il y a un transfert qui est estimé aux alentours de 35 millions d'euros. Liverpool conclut un accord pour transfert de Djordje Mamardashvili sous réserve de l'obtention de un permis de travail et une autorisation internationale. Gardien de but Valence pour la région Liverpool pour saison 2025-2026. Redio conclut un accord pour joueur de 23 ans qui pourra toujours être en Espagne jusqu'à la fin de la saison avec Valence avant qu'il rejoigne le club de la Marseille l'été prochain. C'est comme ça l'équipe Liverpool a annoncé nouvelle à travers un communiqué. Saison ça Liverpool pour toujours continuer à appuyer sur un gardien de but comme Alisson Becker et Redio pour décider prêter Djordje Mamardashvili en attendant dans l'équipe Valence là. Et bien pour rappel monsieur lui-même qui était proche équipe Ben Mouflon mais il pas apprécié option ça et finalement il était toujours opté pour le rester à Valence et une décision finalement qui acceptée par l'équipe et bien qui a coaché par Anne Slow. Voilà donc Liverpool qui recrute goalkeeper. Et puis il faut nous dire fanatique gain James Rodriguez justement qui rejoint l'équipe et Rayo Vallecano et bien dans interview président équipe ça a été accordé dans El Partidazo sur la Cadena Cope li et comparé exactement recrue James Rodriguez là avec recrue et Maradona lui-même qui était allé dans Napoli. Monsieur dit c'est un honneur pour me profiter de un joueur tant que James Rodriguez li au Zenit de carrière li sorti MVP nan et Copa América ça gagne un mois devant Lionel Andrés Messi. Moi mettel sous même plan lorsque Napoli et même té à peine monté té recruté Diego Armando Maradona. À l'époque c'était une équipe modeste même si je dis là c'est une grande équipe. Je dis même bagaille là produit pour nous tous lorsque un club tant que Rayo Vallecano en mesure pour recruter un joueur tant que James Rodriguez qui sorti meilleur joueur Copa América. Pablo fanatique c'est là que n'a capé avec vidéo abonné activer cloche notification.